La règle d'or du naturaliste peut se résumer en un seul mot, drap. D-R-A-P. D, c'est discret. Il faut faire attention à ne pas faire de bruit. Il faut aussi faire attention au sens du vent si on veut observer des mammifères. R, c'est respectueux. Il faut respecter les lieux, par exemple, pas laisser les barrières ouvertes. A, c'est attentif. Et P, c'est patient. Il faut être très, très, très patient. En ce moment, c'est la meilleure période pour voir des prédateurs, parce que les champs ont été fauchés, ça disperse les graines et ça attire les rongeurs. Le terrain est bien dégagé, le renard peut muloter et le naturaliste peut mater. Le renard, c'est un vrai dératisateur naturel. Une renarde qui nourrit ses petits peut chasser jusqu'à 3000 à 6000, certains disent même 10 000 campagnols en une saison. Je ne comprends pas pourquoi cet animal n'est pas protégé. Il est utile à l'agriculture. Et aujourd'hui, il est classé nuisible. Le renard, c'est un champion du mulotage. Robert Hénard, le grand naturaliste, en a vu un qui avait attrapé 17 campagnols et une taupe en 45 minutes. Le renard, ça attrape aussi des vers de terre. Ça peut attraper 4 lombrics à la minute. Donc c'est vraiment très 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 rapide, c'est vraiment une machine à dératiser. Quand il a assez de nourriture, le renard fait des provisions. Il cache ses proies, il les recouvre et il les retrouve à la mémoire. Le renard, c'est un mal-aimé, mais moi, j'aime le renard. Le renard, c'est le symbole de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Parce qu'en fait, il est traité de nuisible par l'administration, ce qui est un véritable scandale, parce que c'est un animal qui devrait être protégé. On le voit là. Il le chasse en grande partie et presque essentiellement des campagnols, c'est-à-dire des animaux qui pullulent et qui ravagent les cultures. On devrait protéger le renard aujourd'hui. Voir un renard, mais c'est un bonheur. Et moi, je passerai des heures sous les moustiques et au milieu des grenouilles pour voir chasser un renard.